Salut, bonjour. Bonsoir, Yosin Balmantessa. Bonsoir, ma grande sœur Iguette Zoya. Bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, mon frère Yannick Moudimoula Choc. Bonsoir à tout le monde. Je vais un peu parler sur mon livre en fait, en gros. C'est le but de cette vidéo. Mon livre est déjà là. Ça a paru depuis le 16, pratiquement le 16 avril. C'était la date de la sortie. Par mon auditeur, édition Croix du Salut de la France. C'est mon éditeur. Le livre est là, comme annoncé, des gospels, les messages du salut. Ça, c'est comment dire, la couverture. Et ça, c'est la quatrième couverture, comme on dit. Je vais un peu parler sur le livre, les contenus. Voilà quoi, voilà. Bonsoir, ma sœur Cléopâtre et Sophie Angoy. Le livre est déjà sur Amazon et puis sur le site, c'est morebooks.de. En fait, c'est l'imprimeur qui est en Allemagne. Le livre a une cinquantaine de pages, disons-les comme ça. Le livre contient 11 chapitres. Vous pouvez voir la table de matière. Le livre a pratiquement, comme tous les livres, la page de couverture. L'introduction. Un aperçu. Et les chapitres, quoi. Voilà. Chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. J'attends qu'il y ait un peu de gens en ligne pour plus parler du livre. Bonsoir, ma sœur Golden Noëlla. Bonsoir, ma sœur Yasmine Janine Biwatch Kalinga. Nous allons parler un peu de notre livre, en fait, de mon livre, de Gospel, qui a paru pratiquement le 16 avril. C'est déjà sur Amazon. J'avais déjà donné les liens sur mon site. Ou bien vous pouvez aller sur Amazon, vous tapez mon nom en fait, n.kalingalider. Vous pouvez voir directement mon livre, c'est mon unique livre en fait, mon premier livre. Ça va vous amener sur des gospels, les messages du salut. Vous allez voir la couverture en fait. C'est comme ça en fait, voilà. Voilà, ça c'est la quatrième couverture. Nous allons un peu parler sur les livres. En gros, bonsoir ma soeur Anastasia Levka. Merci ma grande soeur Iguet Zoya. Je vais parler d'abord sur l'introduction. Merci d'abord pour... Je tiens à remercier à toutes les personnes qui ont acheté déjà les livres et qui entendent déjà chez eux. Et puis... j'attends aussi leurs photos, voilà, pour comme preuve qu'ils ont acheté déjà les livres. Voilà. Je vais lire l'introduction pour vous donner un peu le goût, comment se situe un peu le livre, et puis voilà.
Dans l'introduction, je suis en train de dire comme ça, voilà, nous sommes en train de dire comme ça. Donc, le livre est pratiquement sujet sur le gospel, le message du salut, voilà. L'évangile, en fait, le gospel en anglais, c'est en fait c'est l'évangile, quoi, le message du Christ, donc de Jésus-Christ et des apôtres. Dans l'introduction, je dis comme ça. Bonsoir, apôtre Igel Schiffs, Banza Lumonamo. Dans l'introduction, je dis comme ça. Beaucoup de personnes peuvent fort s'étonner et pourraient se demander pourquoi le titre du livre est en anglais, mais que son contenu est en français. C'est juste que nous voulons casser quelque chose dans le mental des gens, plus particulièrement des chrétiennes et chrétiens, du fait que le mot « gospel » pour plusieurs, se rapporte plus à la musique chrétienne américaine accompagnée d'une chorale de musiciens. Mais le plus important est de savoir que le gospel veut tout simplement dire évangile en français ou bonne nouvelle du royaume de Dieu apporté par Jésus-Christ de Nazareth. La bonne nouvelle ou l'évangile du royaume de Dieu vient essentiellement ou bien originellement du mot hébreu Bessora, dont la racine est Bassar, qui signifie la chair, du verbe basser qui signifie informer ou annoncer. Et en grec, il vient du mot euangelio qui veut dire annoncer de bonnes nouvelles. Bonsoir mon frère Sonixon Lorenz Sanga. Nous comprenons que la bonne nouvelle du royaume de Dieu est une annonce ou une information à notre chair qui a été aliéné et dévoyé par la chute adamique qui ensuite le Christ a libéré par l'œuvre de la croix afin que la chair humano-adamique soit rendue à son destin divin. Nous avons parlé de l'évangile comme une annonce à notre chair. Revenons à ce mot « chair ». Il vient de l'hébreu « bassar » comme je viens de dire si haut, qui est scindé en deux mots « bas » et « sar ». Le plus important est de savoir que la langue hébraïque ne contient pas de voyelles, mais juste que les consonnes, donc le mot bassar s'écrit B-S-R. La lettre B, donc bête, signifie la maison, ou bien dans, ou bien à l'intérieur. Le mot sar signifie prince, d'où le mot bassar signifie prince dans la maison. Donc ce qu'il faut retenir d'abord est que Les mots chers en fait, signifie prince dans la maison. Parce que en hébreu, il n'existe pas le mot pour corps. Pour corps, on dit cadavre, donc gouffre. En hébreu, le mot corps n'existe pas. On dit plutôt chair. Donc ça signifie prince dans la maison. Donc notre chair, ça signifie que il y a quelque chose d'important en nous. Donc en nous, donc corps, comme corps, donc la chair. C'est l'intestin là où se situe, la chair et puis toutes sortes d'actions que l'on peut prévoir. Bonsoir, ma soeur Destiny Julia Gladys. La chair aussi peut signifier un prince à l'intérieur d'eux. La chair étant contenue dans le corps humain, qui est la maison ou le temple de Dieu. Il y a un prince ou un principe divin qui s'y trouve pour accomplir un but précis, mais dommage que ce prince, cette princesse a été corrompue par le péché d'Adam, donc l'homme originel, donc l'homme primordial, et qui devait subir une restructuration de son état parfait du commencement, et c'est pourquoi l'évangile que l'humanité pécheresse a reçu il y a de cela près de 20 siècles, donc 2000 ans, et celui de la résurrection de Jésus-Christ. Le Messie ou le Christ est annoncé dans les Écritures, dans la Torah, dans la loi, les cinq livres de Moïse, les prophètes et les psaumes. Cette annonce devait matérialiser la grande opération chirurgico-alchimique de la transmutation de l'être humain. La portée de l'évangile est aussi celle que le Verbe qui s'est fait chair dans les logos dont parlent les gens dans Jean chapitre 1 verset 1, et il a habité parmi nous en vue d'une révélation d'un message dont l'injonction divine se résume par que celui qui a des oreilles pour entendre entende.
rejoignant la parole du Père après le baptême d'eau et du Fils dans Marc, chapitre 4, verset 23, en disant que celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. La Torah a renchéri. Comme suite, écoute. Parce que le mot écouter, ou bien le verbe écouter en hébreu, ça signifie obéir. Donc écoute Israël, dans Shema Israël. C'est d'ailleurs la prière type, quoi, la prière phare en Israël. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 6, là où Dieu dit écoute Israël, mais obéis Israël, ton éternel est un. La bonne nouvelle du royaume de Dieu est la lumière qui luit dans les ténèbres de l'humanité, corrompue du péché adamique. Celle lumière ne fut pas happée par les tourbillons de l'enroulement des ténèbres, mais il luit, donc il brille dans les ténèbres, et cela se situe la quintessence de la bonne nouvelle ou de l'évangile du royaume de Dieu. Voilà en fait dans mon introduction dans les livres, pour résumer, ce qu'il faut retenir est que l'évangile de l'éternel, donc la bonne nouvelle du royaume dont Jésus-Christ est venu pour annoncer, les apôtres ont fait le travail par la suite, son but est en fait de nous libérer de ces péchés, de cette chute dont Adam a causé en fait. Avec la ruse du serpent. Et puis, Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Parce qu'il ne faut pas oublier que Paul dit Jésus s'est fait pécher pour nous. Donc, il est mort avec nous et il est ressuscité avec nous. Donc, celui qui est mort ne pêche plus en fait. En nous, il n'y a plus de péché. Donc il n'y a plus de condamnation. À ceux qui sont en Christ, ou bien à celles qui sont en Christ. Donc, il n'y a plus de condamnation. C'est pour cela qu'on parle de la grâce. Donc, la grâce est là pour nous permettre de vivre dans la sainteté, la sanctification. Parce que c'est Dieu qui nous a choisis, en fait. En acceptant Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Plus tard aussi fils, parce que c'est un processus, en fait. Donc, nous sommes nés de nouveau dans Jean 3, comme Jean dit. Donc, ceux qui sont nés... de la chair ni du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes appelés enfants de Dieu et plus tard fils, dans le Fils accompli. Donc tel que Jésus est, donc tel que Christ est, tel que nous sommes. Donc en fait c'est ça. Donc l'évangile, en fait c'est ce qui se passe en nous, c'est ce qui se passe dans notre chair, donc, au-dedans de nous. Cette chair-là dont Paul parle dans Romains 7 dit: Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais ce que je ne veux pas faire, mais je le fais. Qui me délivrera de ce corps ou bien de cette chair mortelle? Malheureux que je suis. Et voilà quoi, donc ce que Paul disait. Donc voilà mon introduction dans mon livre, The Gospel, pour parler de ce message dont mon livre parle. Et puis, dans l'aperçu, j'ai juste souligné que le livre contient 11 chapitres, scindés par des différents versets expliqués, donc choisis, donc qui cadrent bien dans les messages de l'Évangile. Il y a 11 chapitres ici, pour extrapoler. Nous avons des chapitres comme titre, l'année de la grâce, la source de la foi, la magie divine. Peut-être ça peut choquer ou bien ça peut un peu bousculer les préacquis des autres, mais c'est intéressant quoi. Donc la magie divine, beaucoup pensent que la magie c'est satanique, mais il ne faut pas oublier que la magie a l'origine divine en fait. Donc j'ai essayé un peu de briser cette mythe-là dans les milieux chrétiens qu'on considère que la magie est satanique. Or, que la magie est divine. Dans la magie divine, nous voyons les miracles. Donc, voilà, en fait, c'est ça. Nous avons aussi un chapitre comme la bénédiction, la puissance de Dieu. Voilà, en fait, c'est 11 chapitres et puis conclusion, plus table des matières. Donc, voilà, en fait, je voulais juste parler en bref le contenu de mon livre. Je remercie ceux et celles qui ont déjà acheté le livre. Et puis, merci beaucoup.
Et puis, je cherche encore quelque chose à partager avec vous et entrer avec les livres. Je vais parler sur la magie divine, voilà. Ce qui peut choquer beaucoup de gens pour briser cette mythe-là dans le milieu chrétien. Dans la page 32, où je parle de la magie divine, voilà. Voilà, c'est le chapitre 8, la magie divine. J'ai dit ceci. Beaucoup de personnes seront peut-être offusquées de voir le titre du dit chapitre parler de la magie divine. Oui, car les mots font peur aux gens, surtout à caractère mystique, car selon l'inconscient collectif, ces concepts a formaté, fait ainsi, nous nous sommes accoutumés à être apeurés par les termes spirituels à connotation réservée soi-disant pour le monde des ténèbres, sans pour autant savoir que le diable n'a rien créé. Tout a été créé par Dieu, en commençant par l'infiniment grand à l'infiniment petit, y compris la théorie et la pratique terminologiquement, tels les mots magie. Bonsoir, mon frère Yosha Mulonda. Nous allons parler dans ce chapitre sur la magie divine. Écoutez bien. La magie divine est la mise en pratique de la domination du subtil sur le paix, de la force sur la matière, de la conscience sur la force et du supraconscient ou divin sur la conscience. La magie divine, appelée aussi sacrée, est l'instrumentalisation de la puissance divine sur l'être humain pour la gloire divine. La magie peut se définir aussi comme l'application de la volonté humaine dynamisée à l'évolution rapide des forces vivantes de la nature. La magie est la science de l'amour. Voilà ce qui est de la vraie magie en fait. Voilà. Donc que les chrétiens cessent d'avoir peur de mots. Voilà, parce que le diable n'a rien créé. Voilà. La magie divine ou sacrée est comme un détonateur de libération humaine ou bien miracle. Voilà, magie divine ou bien miracle divin. Elle n'a pas d'autre but que de rendre la liberté de voir, d'entendre et de marcher, de vivre et de poursuivre l'idéal d'être véritablement soi-même. Cette grâce a apporté à ceux qui sont emprisonnés ou possédés par les esprits malins. Cette magie n'attend jamais à la liberté dont la restauration totale de l'humain est le but unique. L'évangile du Christ nous souligne que la magie divine est obligatoirement en vue. Bonsoir ma soeur Marlène, voilà. C'est ce que nous appelons les miracles. Voilà. L'apôtre Paul dira que le royaume de Dieu ne consiste pas que des paroles, mais en puissance aussi. Nous allons, ce que nous avons dit, ci-dessus par des passages des Écritures saintes. Voilà en fait, et je vous pousse à lire les passages dans Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 32 à 34. Donc là, j'ai développé sur ça, j'ai parlé sur la magie divine. Voilà, donc les miracles en fait, voilà. Les miracles, les mots ne nous fassent plus peur. Voilà. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 32 à 34. J'ai développé sur ça. Et puis dans Luc, chapitre 7, versets 21 à 22. Voilà en fait. Pour conclure, dans la conclusion, je dis ceci. L'enseignement que Jésus-Christ a donné est la bonne nouvelle ou l'évangile. Bonsoir, ma sœur Ornella Kanjinga. Donc là, je reprends. L'enseignement que Jésus-Christ a donné est la bonne nouvelle et l'évangile. Donc, ou l'évangile a pour but principal non pas d'améliorer le vieil homme, donc homme adamique, ou l'état ordinaire de l'homme, comme nous sommes avec cette chair, mais plutôt de régénérer entièrement et totalement, d'en faire un homme né de nouveau d'eau et d'esprit, esprit ou bien le feu. Donc comme l'évangéliste Jean le dit dans Jean chapitre 3 verset 3 avec comment on dit la confrontation entre des docteurs Jésus-Christ, les docteurs venus de Dieu et les grands docteurs d'Israël Nicodème. Donc la condition sine qua non pour entrer, pour être appelé enfant de Dieu ou bien fils de Dieu, ou bien créature de Dieu en fait, donc renouvellement
créé, c'est d'être né d'eau et d'esprit, ou bien de feu. Donc, souvenez-vous du baptême d'eau par Jean-Baptiste et du baptême de feu par Jésus-Christ. C'est ce que la tradition occidentale a parlé de sanctification, de déification, de rédemption et de résurrection. La tradition orientale utilise les termes de délivrance et de libération. En cela surgère une nouvelle pratique d'un affranchissement, car la vérité, en les connaissant, libère du joug de l'état adamique et pécheresse de l'être humain. La bonne nouvelle est un message d'abord de prise de conscience, de liberté, d'abord intérieure, et cela se découvrira ensuite par l'aspect extérieur pour vivre pleinement les cieux nouveaux et terre nouvelle en Christ. Je vais signaler aussi quelque chose ici. Quand l'Apocalypse dit cieux nouveaux et terre nouvelle, en fait, c'est un passage tiré dans le livre d'Ésaïe, du prophète d'Ésaïe. Quand il dit cieux nouveaux et terre nouvelle, en fait, c'est une nouvelle conscience, en fait. Donc, une conscience renouvelée, en fait, une intelligence renouvelée dont Paul parle, en fait. Parce que la Bible est marquée par plusieurs passages à termes symboliques, quoi. Donc, ce sont des langages prophétiques dont les prophètes parlent comme l'aigle voit. Parce qu'un aigle voit 8 fois plus que l'homme. Donc, les paroles prophétiques, il ne faut pas les prendre comme humain comme ça, c'est impossible, parce que les prophètes sont dans les hauts auteurs comme les aigles, en fait. Voilà, donc ciel nouveau, terre nouvelle en Christ, c'est la nouvelle conscience, renouvellement d'intelligence dont Paul parle. Donc c'est par là dont l'évangile et la bonne nouvelle du royaume fait mention. Voilà en fait le but de ma vidéo. Je pousse à tous ceux ou toutes celles qui n'ont pas encore les livres. Les livres se trouvent sur Amazon. Vous tapez n.kalingalider ou bien de Gospel, le message du salut. Vous allez le voir et puis vous allez vous en procurer. Voilà, donc ça c'est la couverture. Ça c'est la quatrième couverture, comme on dit. Donc voilà ce qui était le but de ma vidéo. Merci beaucoup, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir pour de prochains sujets à caractère spirituel, culturel, et puis voilà. Merci beaucoup, c'était votre ami et frère Kalingalider. Bonsoir à vous, bonne soirée. Que Dieu vous garde. Bye.